Ça va toujours, Poisson? Ok. Moi, c'est Skouya. Je fais du beatbox, donc tout ce que vous allez entendre est sans effet spéciaux et sort seulement de ma bouche et de mon nez. Est-ce que vous en voulez? Ok. Je vais essayer de faire un petit truc maintenant. Je vais essayer de mettre 4 sons en même temps. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Non? Vous croyez que c'est possible ou pas? Bon, je vais essayer. Alors, au premier, ça fait. Le deuxième, ça fait. Ok. Troisième, ça fait. Et donc le quatrième, ça fait. Ok? Est-ce que. On y va? J'essaye ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? Ok. Thank you.
Ça commence
commence à arriver dans les écoles, on en voit arriver dans les écoles. Ouais, on donne beaucoup d'ateliers dans les écoles, c'est quelque chose qui marche bien avec les jeunes, effectivement, ouais. Et ça rend aussi des fois des choses en canon, c'est sympa. Le beatbox c'est déjà une superposition de plusieurs couches, ouais. Et donc si on est à plusieurs, on peut se partager les rôles et effectivement se donner plusieurs rôles à plusieurs personnes et faire un morceau tous ensemble. Et vous le faites des fois? Ouais. Avec d'autres artistes? C'est une partie de mon travail, donner des ateliers. Ah oui. Sinon oui, je fais partie d'une équipe de plusieurs beatboxers. Et vous travaillez dans Picardie? Non, en région parisienne, mais ça m'arrive. Ça m'arrive d'être dans la région parce que j'ai un projet qui a démarré à la MCL de Gauchy, qui s'appelle Rue Le Prest. Et avec donc des artistes de la région. Donc effectivement ça m'arrive de venir dans la région. Vous avez une page Facebook Ouais. Enfin j'ai pas de page mais j'ai un compte et j'ai Instagram. Donc c'est Scouya, Scouya2LA. Avec ça vous allez trouver. On peut vous envoyer des images aussi. Bien sûr, avec plaisir. Sur l'eau c'est rare pour vous de chanter sur l'eau. C'était une première pour moi, ouais, beatboxer sur l'eau, ouais, c'est vrai. Et vous avez chanté quoi ce soir? Il y a eu quasiment que de la compo, il y a eu quelques inspirations de reprises, mais c'est principalement de la compo. Ouais. Et parfois vous faites un peu comme certains artistes qui enregistrent et ensuite avec des... qui remettent des sons. Oui, avec la machine, bon c'était pas le cas ce soir, mais oui, j'ai une Loop Station, donc ça me permet de boucler. Et oui, effectivement, ouais, on sert. Et vous travaillez parfois avec des musiques, des groupes ou des... Avec des musiciens, oui, bien sûr, ouais. Dans un de mes projets, c'est avec un chanteur et une chanteuse qui utilisent tous les deux des instruments. Donc il y a ukulélé, basse, accordéon, guitare, du glock, et voilà, il y a aussi l'actrice, une comédienne qui fait le lien entre les chansons. Donc c'est vraiment un spectacle. Pour le beatboxer, ouais, c'est quelque chose qui se fait. En tout cas, un grand merci et bravo. Merci à vous.